Coucou les petits chats, c'est Crime. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Wonder Child Challenge. Donc, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on s'était arrêté à quelques heures de l'anniversaire d'Andrea. Il me reste quelques pourcentages. Ouais, voilà. Il me reste 6% sur la dernière barre de compétences réflexion. Par contre, il me manque 2 barres sur l'imagination. Il reste un petit peu moins de 9 heures avant son anniversaire. Je pense que c'est foutu. Mais on va au moins essayer de valider jusqu'au niveau 4. Ça fera toujours un point de plus. On va essayer de faire ça. Donc c'est un peu... En fait, voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui, j'aurais dû l'appeler Mission Impossible. Parce que ça va être tendu quand même, ça va être tendu. Surtout qu'en plus je crois qu'il voilà, il est crevé, donc il va falloir que je perde encore quelques heures à le faire dormir, sinon il va rien vouloir faire. Enfin voilà, ça va être un petit peu difficile, mais bon on va essayer, on est là pour ça. Hein. Et puis sinon, ben voilà, il deviendra enfant et on pourra attaquer une nouvelle phase dans le challenge. J'ai décidé de squeezer un petit peu son anniversaire. Parce que j'aimerais vraiment, tant pis quitte à perdre les points de l'anniversaire, mais j'aimerais vraiment essayer de valider un point de cette compétence. Donc voilà, j'ai fait un choix et j'ai décidé de squeezer son anniversaire pour me concentrer sur les compétences. Donc on va y aller, hein, on va essayer de finir ce challenge rapidement. Donc tu vas pas aller dormir tout de suite, tu vas aller faire un petit pipi et tu vas me valider vite fait les 6% qui manquent. Voilà, dans ta barre ici. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'ennuies. Ah ouais, t'es parti dormir quand même toi. En plus il écoute rien ce gosse, c'est pas possible. Tu parles d'un Wonder Child toi. Wonder Child qui coûte rien. C'est pas un Wonder Child. Oui, c'est ça. Allez, pique ta crise. Allez. On finit les 6%. Voilà. Voilà, terminé. Tu peux peut-être avancer un petit peu avant de tomber. Tant que tu tombes pas de sommeil, c'est que tu es capable de le faire. Allez. On y va. C'est mort. La vitesse à laquelle ça monte. C'est foutu, il reste 6 heures même pas avant l'anniversaire. C'est mort de chez mort. Du coup, je me demande si je vais pas revoir mon jugement et si je vais pas faire une fête d'anniversaire là maintenant tout de suite. Parce que c'est absolument mort, on n'arrivera pas à choper le dernier point. Donc, allez, changement de programme, on va organiser une fête d'anniversaire. Ça fera toujours 5 points de plus parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai foiré. J'ai foiré le truc. Alors, fête d'anniversaire, c'est parti. Hop. Voilà. Bah, les invités, on va rester entre nous, hein, pour inviter la terre entière. Hop, le lieu, bah, on va le faire chez nous, hein. Tant qu'à faire. On peut pas le faire à la maison. Musée, parc, bar, boîte de nuit, bar à cocktail, résidence. Bah, ici, voilà. Nickel. Hop, alors, toi, tu vas préparer. Et encore, même l'anniversaire, c'est pas gagné qu'on arrive jusque dans l'heure, hein, parce qu'il reste 5 heures, il dort. Allez, toi, tu fais un gâteau au chocolat. Faut socialiser pendant 3 heures, quoi. Le gamin, il dort par terre. Tu veux qu'on socialise, quoi? C'est mort. Bon, alors, j'aurais vraiment tout foiré sur le stade Bambin. Va vraiment falloir que... qu'on se rattrape au stade enfant, parce que là, clairement, on est mal. On est mal, les gars, on est mal. Puis, il a sommeil. Ah, ça y est, ça va mieux. Allez, socialise avec ton père.
prendre dans les bras. Ah, t'es parti dormir, quoi. Ok, non mais... Non mais hésite pas, hein. Fais comme tu le sens, hein. C'est bon, tu peux y aller, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce look? My God. Ah ouais, d'accord. Oui, alors, j'ai... D'accord, j'ai peut-être pas été dans voir toutes les tenues de mes Sims, donc c'est... Comment dire ouais, voilà. Il y avait chaussettes claquettes, maintenant il y a chaussettes escarpins. C'est... Voilà. Bon, bah... Heureusement qu'il n'y a pas Christina Cordula dans le secteur, on se serait fait allumer. Alors, t'en es où, toi? Faut discuter, discute. Plus de choix, amical, faire connaissance, allez hop. Discutons. Préparer des boissons, on fait comment si on n'a pas de bar? Bon, bah, c'est... Alors, bon, on est mal, hein. On est mal. Voilà, donc vous êtes en train d'assister à la fête d'anniversaire la plus pourrave de la Terre. C'est cadeau. C'est pour moi. Je... Profitez-en. Exprime ton amour. On va faire souffler les bougies, hein. Ce sera toujours ça de prix. Oh là 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 là. Non, c'est vraiment pourri comme fête d'anniversaire. Il reste combien de temps? Il reste 3 heures. Je sais pas comment je vais les faire devenir joueurs. J'ai rien pour ça. Parler de super-héros. Parler de dinosaures. Parler de la fête. Faire des grimaces. Allez, mais t'arrêtes de faire des crises. Genre, t'es fatigué, t'as faim, quoi. Non, mais... C'est bon, quoi. On a tous nos problèmes, hein. Ouais, très, très en colère. Vas-y, tu vas manger, au moins. Mais non, il n'y a plus rien à manger. Bon, allez, viens souffler les bougies, va. Ce sera déjà ça de fait. Voilà. Attends, ajouter des bougies d'anniversaire. Comment ça, tu peux pas... Ajouter des bougies d'anniversaire. Ah non, mais même le gâteau, il est contre moi. Voilà. Allez, fais-lui souffler. On n'aura pas tout perdu. Plus de choix. Aider à souffler les bougies. Andrea. Allez. Peut-être qu'on va valider socialiser avec le Sims qui fête son anniversaire, mais je pense que c'est tout ce qu'on va pouvoir valider là. Alors, voilà, joyeux anniversaire. Petit coup de vuvuzela. Ouais. Attention. Ok. Alors, il est temps de choisir un trait. Donc, on va... extraverti. Ok. La nature, flou, végétarien, paresseux, la musique. Alors j'hésite entre génie et créatif. Allez, on va prendre créatif. Et donc on va rester créativité. Voilà, super. Fais voir à quoi tu ressembles quand même. Allez, viens nous montrer. Voilà, t'es en colère, mais... Ouais, d'accord, c'est la porte. Ouais. Bon, c'est pas mal. Allez, hop, on perd pas le nord. Discute encore un peu avec ton père. Oui, t'es fatigué. Oui, t'as faim. C'est bon, on a grandi un peu. Demander comment s'est passée la journée. Il va falloir que je refasse sa chambre aussi. Allez, on y va, on socialise encore pendant une heure. Ah bah du coup on a tout le temps. Puisque voilà. Et comme ça fait monter en plus ta faculté sociale.
Bon, il est pas... Non, mais on a pas... Non, mais ça va pas. Est-ce qu'on crie sur son père? Voilà, excuse-toi. Non, mais sérieux. Sale gosse. Oui. Très, très en colère. Ah, ça y est. On a validé un truc, dis donc. Faire en sorte... En étant heureux. Ah bah, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, là, pour qu'il soit heureux. Va peut-être aller prendre une part de gâteau, ça va lui faire plaisir. Mais alors, être heureux, là, j'ai pas l'impression que ce soit au menu. Ouais, non, c'est vraiment l'anniversaire le pire de la Terre, je crois. Il manquerait plus qu'il y ait quelqu'un qui meurt, et là... il va tomber de fatigue. Bon, je crois qu'on va arrêter le massacre, hein, parce que... Tant pis, on n'aura pas eu non plus les points. Ouais, allez, hop, terminé l'événement, bronze. Donc ça fait une récompense. On va aller voir ce que c'est. Et puis, je vais en profiter pour faire un petit point. Qu'est-ce que c'est? Charisme pour les nuls. C'est bien. Ça peut être utile, ça. Hop. Eh ben, écoutez, on va en profiter, on va faire un petit point déco, là. On va refaire la chambre du petit pour que ce soit une chambre d'enfant. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, on est de retour, donc voilà la chambre d'Andrea, donc je suis restée assez classique, hein, sur les tons de bleu et blanc, une petite chambre de garçon, voilà, comme je vous l'ai peut-être déjà dit dans une précédente vidéo, la déco c'est comme la construction, c'est pas trop mon truc à moi, je suis pas super douée pour ça, donc je fais ce que je peux, hein, mais voilà, bon, ça me plaît à peu près, on s'en sort pas trop mal. Alors, bon bah toi, tu seras réveillé, tu pourras aller dormir. De toutes les façons, on est vendredi soir, donc c'est le week-end. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va avoir le temps de s'occuper un peu des compétences, parce que au niveau enfant, en fait, il va falloir qu'on travaille sur deux axes en même temps, c'est-à-dire le côté école pour avoir les meilleures notes. C'est-à-dire que plus vite il va avoir le A comment dirais-je? Plutôt il va avoir un à l'école, plus je vais gagner de points. Donc on va essayer d'avoir le A le plus rapidement possible. Et puis en même temps, il va falloir monter toutes les compétences. Et si on peut, une fois qu'on aura monté les compétences, il faudra aussi monter tout ça là. Parce que ça fera des traits de caractère en plus et ça fera des points aussi du coup à récupérer. Donc voilà, on a un programme chargé pour l'enfance de ce petit et on va commencer dès demain matin. Par contre, là, il y a un truc, moi, ça me... On va changer de tenue, là, parce que ça me perturbe. C'est pas possible, plus de choix... Tenue, parce que c'est pas possible d'être habillée comme ça. Il faudra vraiment que j'aille faire un tour dans le CAS pour mettre des vêtements décents en cas de fête, là, parce que... tenue, changer de tenue, hop là, c'est parti. Voilà. L'autre il dort toujours dans l'herbe, c'est normal. Tout va bien, ça gêne personne. Je crois qu'il n'y a plus rien à manger par contre. Hein. Plus de choix, ouvrir. Non, il n'y a absolument plus rien à manger. Donc ce serait bien que tu fasses un repas quand même. Prépare un repas gastronomique, tiens, soyons fous. Allez, pasta primavera. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mais dis donc, il y a plein de choses à vendre là-dedans. Par contre, j'ai vu que tu avais aussi plein de plantes à t'occuper. Elles sont toutes en train de crever, là. Arroser. Ouais, ce serait bien que tu t'en occupes un petit peu.
On va quand même le mettre du gâteau au frais. Ce sera toujours ça de pouvoir grignoter. Allez. Ok. Donc une fois que tu auras mangé, tu vas aller te doucher. Et fou, demain matin c'est ménage. Non, tu. Ouais, demain matin c'est ménage. Toi, tu vas prendre une part. Et tu vas réparer les toilettes. Parce que si quelqu'un a besoin d'y aller dans la nuit. J'ai pas envie de payer, de toute façon on n'a pas assez de sous pour ça. Allez, action. Et après tu pourras aller dormir. Hop. Toi, t'en es ouf quand tu te lèveras. Ouvrir. Hop, prendre une portion. Hop, hop, hop. Oh, c'est pas tout ça. Hop, on va vider un peu ton inventaire là parce que il y a à boire et à manger là-dedans. T'inquiète, tes parents font le ménage demain matin. Hop, ça n'en a pas besoin. Hop, et les devoirs à faire, très importants, les devoirs pour obtenir un A rapidement. J'ai même pas regardé comment t'étais habillée toi en temps normal. Bah, si t'as envie d'aller aux toilettes, tu vas d'abord aller aux toilettes. Et ensuite tu vas manger. Alors, on regarde comment t'es habillée, voir s'il y a besoin de t'emmener à me faire un petit tour dans le CAS. Allez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, c'est sale, c'est le bazar. Tes parents font ce qu'ils peuvent. Hop, merde, ta mère, dès qu'elle va se lever. Elle va nettoyer, nettoyer. Voilà, c'est parti. Ah, on va peut-être aller aux toilettes aussi, sinon on va se faire dessus. Allez, vas-y tout de suite là avant de te faire pipi dessus. Quoi, pourquoi t'es pas content encore? Mauvaise plomberie. Bah oui, mais on a mis tout l'argent dans ta chambre en fait. Donc on peut pas mettre voilà. Hein, la plomberie. On verra plus tard. C'est ça que t'appelles nettoyer, quoi. J'aimerais pas que tu viennes faire le ménage chez moi. Hein. Je t'ai nettoyé, j'ai dit. Après, tu viendras nettoyer ici. Et toi, mon petit, bah, tu vas dessiner en attendant que ta mère, elle est nettoyée. Visiblement, elle a pas l'air décidée non plus. Pourquoi tu veux pas nettoyer? C'est quoi cette rébellion là? Non mais tu rêves hein. Ah ouais, je préfère. Ah voilà. Ça c'est propre. Toi pendant ce temps là, tu fais monter ta compétence créativité. Et après tu iras à la douche. Ah, toi t'es réveillé. Ouvrir. Une portion. Et t'as des choses, j'ai vu que ça a clignoté de partout. Bah, de toute façon, il faut désherber. Ah, t'es tendu, c'est ça, tu veux rien faire. Bah, ne fais rien, mon petit, ne fais rien. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ouh, vous allez vous détendre, vous, sous la couette. Ça va pas vous faire de mal, hein. Prendre une portion. Ah, c'est déjà prévu. Et hop. T'en es où, toi? Vas-y, dessine. Ça y est. Hop, mettre dans l'inventaire. Dessiner véhicule. Allez. C'est bien, ça va faire plein de déco pour la chambre. Alors, qu'est-ce qui te manque? Ouais, ben, on va aller faire monter un petit peu tout ça, là. Hop, faire crac-crac avec John Horse. Pourquoi t'es désherbé? C'est pas toi qui dois désherber, c'est lui. Non, mais n'importe quoi. Peut-être pour ça qu'il le faisait pas. Je m'étais trompé, Teams. Ce sont des choses qui arrivent. Je tiens à préciser que je suis blonde. Donc, parfois, je... Comment dirais-je? Je fais des petites bêtises comme ça. Voilà.
quand on est blonde, on n'a pas tous les neurones qui se touchent non plus. Hein. C'est pas de notre faute. C'est... On n'y peut rien. Allez, continue à dessiner. Hop, on va alterner, former véhicule. Voilà, eux deux, ça va les détendre. Voilà. Magnifique, tout remonte. Toutes les compétences, du moins. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il fallait que je fasse deux dessins en étant inspirée. Donc tu vas aller prendre une douche inspirante, de toute façon t'es crade, donc ça va te faire du bien. Toi, maintenant que ça va mieux, hop, ouvrir, manger un petit peu, et tu vas aller t'occuper de tes magnifiques plantes. Pulvériser de l'insecticide, désherber, faire évoluer et tout récolter. Voilà, ça va t'occuper un moment, c'est très bien. À toi. Toi, tout va bien, donc tu vas aller faire un peu de ménage. Non, pas tout de suite, ton fils se douche. Jeter. Hop, mettre dans l'inventaire. Donc logiquement, ouf mon dieu, c'est quoi ce... Oui, il va falloir qu'on aille dans le CAS. Qu'est-ce que c'est que ce pull? Qu'est-ce que t'as fichu? Non, ça... Un petit relooping, relooking, pardon. Et pas relooping. Va s'imposer. Ok. Attends, mets du temps à prendre ta douche, c'est pas possible. Tu décapes ou quoi? Non, pourquoi t'es pas contente? Parce que t'es mal à l'aise. Ah, t'es malade. Et toi, tu trouves que c'est sale. Bah, t'as qu'à nettoyer, moi. Alors, essuyer. Et surtout, réparer. À toi. Allez, on y va. Faire deux dessins. Oui, parce qu'en fait, c'est bien de d'avoir des points d'aspiration. Parce que tous les traits que je vais acheter avec les... Enfin, tous les traits achetés dans la boutique avec les points de satisfaction, en fait, ça compte comme des traits voilà, qui rapportent des points. Donc c'est bien aussi de valider leurs aspirations, quoi, quand on peut. Alors, t'en es où, toi? Non, mais c'est pas toi qui vas réparer, t'es nul en bricolage. Réparer... Toi, par contre, tu peux peut-être te débarrasser. T'en es où? Allez, on avance. Donc, hop. Allez. T'es malade, donc tu vas éviter de t'approcher des autres. Faut qu'elle aille regarder la chaîne de cuisine, tiens. Regardez la chaîne cuisine. Allez. Hop, un dessin, mettre dans l'inventaire et dessiner. Allez. Toi, j'ai l'impression que tu fais plus rien. Non, bah c'est qu'une impression. On va vendre tout ce que tu as dans l'inventaire. Ça va faire pas mal d'argent aussi. Hop. Tuc. On va peut-être pouvoir changer un peu le frigo ou les lits pour leur rendre la vie un petit peu plus agréable. Parce que moi, j'aime bien que mes Sims soient heureux. Non, c'est pas vrai, des fois, quand il y a besoin, je les maltraite un peu, mais c'est uniquement quand j'ai besoin. C'est-à-dire, pas tout le temps non plus. Voilà. Alors, il arrive ce deuxième dessin, là, qu'on n'en parle plus. Voilà, encore. Allez, on accélère un peu. Hop, voilà, super, ça fait des points. Hop, mettre dans l'inventaire. C'est quoi la suite? Un niveau 5 de la créativité, d'accord.
On va peut-être faire tes devoirs, comme ça ce sera fait aussi. Voilà. Bon, de toute façon, t'es content. Tu vas continuer à dessiner un petit peu. Allez, allez. On lâche rien, j'ai foiré le stade bambin, il est hors de question que je foire le stade enfant. Je refuse, je valide pas du tout de foirer sur tous les stages de vie, donc faut qu'il y en ait au moins un qui marche. Alors, est-ce que t'as mis ton vrai matin ? Ah, c'est sympa la déco. Hop. Allez, on fait ses devoirs. Bon bah puisque t'es là, tu vas en profiter pour nettoyer hein, après quand t'auras fini d'en mettre partout là. Alors ses devoirs. Magnifique. Magnifique. Mets les arcs-en-ciel, a priori. Allez. Donc, on a dit niveau 5 et jouer avec 3 jouets. Bon, il y en a plein des jouets. Est-ce que ça, ça compte comme un jouet? Je ne sais pas. On verra après. J'aurais bien aimé prendre une maison de poupée aussi, mais j'ai vu la taille des maisons de poupées, quoi. C'est une maison de poupée pour château, quoi. Dans la vraie vie, tu peux pas mettre des maisons de poupées de cette taille-là. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être un Sims des fois. Déjà, il n'y a pas de saison, donc c'est tout le temps l'été, il fait tout le temps beau. Et ça, c'est cool. Allez, hop. Eh, pas mal. Et je suis contente. Ça commence à rapporter un petit peu d'argent tout ça. De s'occuper des plantes. T'en es où? T'as fini? Bah préviens-nous. Voilà. Allez, continue. Allez, dessine des gens là. Tiens. Ça changera un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça je vois bien, ça ressemble à peu près à un tracteur. Une soucoupe volante? Je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est que c'est assez ressemblant par rapport aux dessins que peuvent faire... que peuvent réellement faire les enfants. Les enfants ou les gens qui dessinent mal, hein, comme moi, parce qu'en fait, moi, si je me mettais à dessiner, ça donnerait à peu près ça aussi. Oui, alors là, je sais pas décorer, je sais pas construire, je sais pas dessiner. Bon, bah, après, il y a des tas de choses que je sais faire, hein, mais faut chercher. Celle-là, en tout cas, ça fait pas partie de la liste. Tu t'ennuies, bah, va regarder la télé aussi, allez, hop là. Ah oui, donc ça, c'est des gens, donc, d'accord. Écoute, mon petit... C'est de l'art, hein, de toute façon. Faut pas comprendre. Hein. Allez, un petit dernier, après, on ira s'occuper de toi. Tu iras jouer un petit peu, quoique t'as l'air de bien t'amuser. Allez aux toilettes. Allez boire, enfin manger du moins. Tiens, tu peux peut-être discuter un petit peu avec tes parents pendant que tu manges, ça peut être pas mal. Oh, ah ouais, non. Puis en tong, quoi. En pull et tong. C'est pas possible. Bon, bah ta mère est partie, parle à ton père. Hop. Voilà. Tu peux peut-être retourner faire un dessin ou deux, non? En attendant d'aller au lit.
Voilà. Comme ça. On valide. Et on n'en parle plus. Dessiner déjà. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas parti dormir, toi? Ah, j'ai envie de faire pipi. Celui-là, on l'a déjà. Voilà. Papa. Money, money, money. Oui, c'est un épisode de Let's Play très chantant. Je suis inspirée. J'ai retrouvé un peu ma voix, donc je chante toujours aussi faux et du coup j'aime bien chanter, donc voilà, je vous en fais profiter. Voilà. Ne me dites pas merci, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Puis si demain il pleut, vous saurez qui venir blâmer. Bon bah écoute, va dormir. Toi, on va faire un petit tour aux toilettes, utiliser, ouvrir. Prendre une portion, dormir. Alors, c'en est où ça? J'aimerais bien valider là avant d'aller au lit, s'il te plaît. Hop, celui-là on l'a déjà. Dessiner, genre. Allez. Et après, tu peux aller dormir là. Allez, voilà, super. On va aller voir, il y a peut-être un trait qu'on pourrait déjà acheter et qui pourrait nous aider. Puis on s'en fiche. C'est toujours bienvenu. On s'en fiche. Oiseau de nuit, 6 minutes du matin. Non, pour l'instant, de toute façon, il n'y a absolument rien qui nous intéresse, donc on va garder nos points pour plus tard. Tout le monde dort là? Non, bah, pas elle, bien sûr, sinon à quoi ça sert. Elle va prendre une douche. Et puis va manger un bouffe. Et après tu vas dormir. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur la fin de la journée comme ça. Donc on a un petit peu progressé dans la créativité. On est déjà à 5. Non pardon. Pas long. Mais on est à 5 quand même. Donc on est à 5. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les responsabilités un petit peu. Avec les devoirs, ça va monter vite. Donc voilà, on avance bien. Enfin, je veux pas trop dire ce que je me suis fait avoir sur Bambin. Je trouvais que c'était trop facile. Et puis au final, j'ai foiré le truc. Donc j'aimerais ne pas foirer celui-ci. Allez mademoiselle, là, on attend pour finir la vidéo, je te signale. Il y a peut-être des gens qui attendent d'aller au lit aussi. Allez. Non, bon. Hop. Allez, c'est bon, t'as assez mangé. Hop. Et hop. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie aussi de... qui voilà de me suivre et de vous être abonné à ma chaîne. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le petit bouton. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis pareil, si vous avez des questions ou des remarques ou des envies, si vous avez des idées de challenge, n'importe quoi, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, ils sont là pour ça. Je vous mets aussi les liens vers les chaînes des copains parce que il y a aussi des vidéos extrêmement intéressantes de chez eux, donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-bas, vous serez pas déçus. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous!